Ça y est, les gars. C'est le retour de. Après Jurassic Park 1, Jurassic Park 2, Jurassic Park 3, Jurassic World, maintenant le nouvel opus de dinosaures, City Patty. Bon, pour résumer le film, c'est un dinosaure qui vit l'extinction de son espèce. Bon, à la fin, je vous cache pas qu'il meurt. Je suis désolé pour le spoil, mais ça me paraissait logique quand même. Pour commencer, nous trouvons cette histoire un peu trop courte. Les réalisateurs auraient pu envisager d'améliorer certaines scènes pour rendre l'histoire un peu plus complexe. Mais ce problème est vite résolu grâce à la qualité audio et vidéo qui est excellente pour un court-métrage d'animation. Le rapport image-son est vraiment parfait. Franchement, il n'y a rien à dire, l'image parle d'elle-même. Ce court-métrage capte vraiment l'attention. Quand on le regarde, on ne peut rien faire d'autre. C'est ce qui fait la force de ce film. Bon, franchement, un bilan assez positif pour ce court-métrage. Malgré le petit problème de temps, mais franchement, quand on regarde au-dessus, ça j'aime pas. Franchement, personnellement, je pense que c'est un des favoris. Enfin, nous pensons que c'est un des favoris. Ouais. Les autres courts-métrages sont bons, mais ils ne sont pas à la hauteur de City Patty. Bon, bah ça y est. C'était le retour de